Où allez-vous? Je sais ce que vous voulez. Et je vous conseille de faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Allons-y. Où allez-vous? Je sais ce que vous voulez. Et je vous conseille de faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Allons-y. Encore un genou. Tiens les gars, je suis pas très maintenant courage, je dis qu'on est presque arrivé. Au but c'est vrai, de la manière dont on voit les génies, on est presque arrivé. Que cherchez-vous dans cette forêt? Nous sommes à la recherche d'un grand féticheur du nom de Ngozu. C'est très dangereux pour vous. Ne risquez pas vos vies. S'il vous plaît, vous pouvez nous indiquer l'endroit ou pas? Comme vous voulez. Prenez par là. Tournez à droite. Il est juste à côté. De toute façon, je vous ai prévenu, l'argent. Si j'ai un l'argent, il y a un maire tous les beaux de touristes. Oui, voilà.
C'est un ami qui nous a envoyé ici. Il a dit que vous pouvez nous aider à devenir riches. Et vous ne pouvez pas travailler. Grand féticheur, on a cherché boulot fatigué. À présent, on veut être riche, c'est tout. Est-ce que vous êtes prêt à faire des sacrifices? Oui, oui. Grand féticheur. Mon frère, on peut faire, non? Oui, c'est pour cela qu'on est venu. Tiens, Joe, on peut faire? Mais bien sûr. Toi, moi, tu m'amènes la tête de ton papa. Quoi? Toi, tu m'amènes un jumeau de 6 ans. Quoi? Toi, tu m'amènes le cœur humain. Quoi? Non. Je vous préviens, si vous ne m'amenez pas ce que je vous ai demandé, d'ici demain, vous mourrez. Quoi? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donner la vie d'autrui ou ma vie? Seigneur, aide-moi. Je suis foutu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je voulais à tout prix avoir de l'argent. Mais voici aujourd'hui, entre la vie et la mort, ce féticheur me demande un jumeau de 6 ans. Où est-ce que je vais trouver ça? Donner la vie d'un être humain à cause de l'argent. Non, je ne peux pas faire ça. Je crois que je vais mourir. Oui, je mérite ça, parce que si je travaillais dur ou entreprenais quelque chose, ça n'allait pas arriver là. Ceci m'a enseigné une leçon. Dans la vie, un homme doit toujours se battre, mais c'est trop tard pour moi.